les 8 millions de retraités qui ont cotisé toute leur vie et qui n'auront pas de compensation. C'est donc un coup dur pour les classes moyennes retraitées. Familles, salariés, ruraux, retraités, mais aussi épargnants et propriétaires, votre budget va appauvrir les classes moyennes françaises. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous arrêter de donner des coups sur les classes moyennes de notre pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et Monsieur le député Vigier, il y a en effet les discours et puis il y a les preuves. Nous avons terminé la semaine dernière l'étude du volet fiscal du projet de loi de finances et vous n'avez pas voté la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Vous ne l'avez pas fait, alors que pour l'essentiel de nos compatriotes, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Vous n'avez pas voté la suppression des cotisations sociales pour tous les salariés. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est dommage parce que c'est une augmentation de pouvoir d'achat pour tout le monde. Et puis, on peut comparer. Si vous étiez au pouvoir, Monsieur Vigier, vous auriez voté l'augmentation de 2 points de la TVA pour tous les salariés, pour tous les retraités, pour tous les fonctionnaires. Vous n'auriez pas remis en place les heures supplémentaires défiscalisées, parce que je vous rappelle qu'ils n'étaient pas dans le programme de François Fillon, alors que c'est dans la majorité que nous portons aujourd'hui. Vous auriez voté, monsieur le député Vigier, vous auriez voté la baisse de 20 milliards de dotations aux collectivités locales, alors que nous avons voté, cette majorité parlementaire, la non-baisse de dotations aux collectivités locales, la première fois depuis 10 ans. Et vous auriez poussé l'injustice, au moment même où nous avons proposé la suppression de la taxe d'habitation, de proposer comme unique baisse d'impôt pour les classes moyennes la baisse de l'impôt sur le revenu, alors que vous savez que c'est les plus riches d'entre nous qui payons cet impôt. Alors voyez, monsieur Vigier, la seule difficulté dans tout le débat parlementaire que nous avons eu, c'est que nous faisons quelque chose pour les classes moyennes, des classes sociales défavorisées, et vous, malheureusement, vous faites le contraire des promesses électorales que vous avez tenues voilà encore 6 mois. Merci, monsieur le ministre. La